Bon, ça y est, j'ai fini la maquette. Achète! Xénomorphe. Comment ça, t'y crois pas? Comment ça, tu n'y crois pas? Bon, allez, salut à tous! Nouvelle vidéo, collection. Achète le petit alien. Ok, il n'est pas fini. Celui-là, il fait pas 1,20 m. Non, non, non. Ça va être celui-là. Donc j'ai enfin reçu le 2, le 3. Mais bien sûr, j'ai aussi reçu des petits camarades de jeu. Un peu plus petits, c'est vrai. Mais c'est présent. Dis bonjour. J'espère que celle de Hachette, 1,20 m, sera aussi détaillée. J'espère, j'espère. Fais voir tes petites connettes. Ils sont où tes petites connettes? Il fait voir les petites connettes. Oh, ils sont où les petites connettes? Fais voir. Dis bonjour. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, la mâchoire? La mâchoire s'ouvre comment? La mâchoire s'ouvre comment? La partie. Regardez, la partie basse. Donc peut-être que je vais me mélanger. Peut-être que je vais me mélanger, mais. La partie basse, c'est la plus large. On va voir, on va voir. Tu préfères laquelle? Avec la tête blanche, à moitié transparent, ou celle-là? Ça peut vous donner des petites idées pour notre super maquette. Tête blanche ou tête noire? Ha ha! Tête blanche, tête noire, tout noir, tout noir. Regardez, la petite langue blanche. Tout ça donne des petites idées. C'est pas trop, hein? On sait pas trop, hein? Comment faire, comment faire? Les petites gencives. Là, tout est noir, hein? Attends, vas-y, vas-y. Fais la mise au point, fais la mise au point. Là, regarde les joues, là. Les joues, elles sont pas marron. Là, c'est tout noir. Et là, c'est tout noir aussi. Avec la langue blanche. Enfin, la langue. C'est compris. Donc, on verra, on verra. Allez, on se monte la petite maquette. Wally. Bon, ok, c'était pas prévu au programme. Mais on est quand même dans le sujet. Eh, regarde. C'est pas mignon ça. Est-ce que c'est pas mignon? Eh, regarde-moi ça. Mais si, c'est mignon tout plein. C'est mignon tout plein. Bon, tu vas la monter ta maquette, oui? Oui, d'accord, je la monte. Donc, déjà vu, hein?
chez nos amis. Allez, on a la petite langue, mâchoire rétractable, les joues, la mâchoire inférieure. Le costume du xénomorphe. 78, ça nous rajeunit pas. Hein. Ouais, la tête blanche avec la bouche blanche. Toi, la langue, elle est blanche. Hein. Elle est blanche. Ouah. Ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie du tout, du tout. Bah allez, go, 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 go. Fais-nous voir tout ça. Fais-nous voir tout ça. Comme ça, on pourra comparer avec les petites figurines. Ah oui! Ah oui, franchement. Hey, c'est du métal! Ah ouais! C'est du costaud! C'est du costaud! Ça rigole pas! Eh bah, dis donc! Donc, il nous dit quoi? Il nous dit, il faut mettre l'axe. Bingo! Heureusement que c'est du métal, hein. Oh, l'autre, il fait tout tomber, eh. Oh. Tac, on met le petit axe, hop, ça en dessous, clac-clac. On met pas de graisse. Bon, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Pas besoin de graisse. Donc, t'as vu sur cette figurine-là? T'as vu les dents? Alors, est-ce qu'ils se sont trompés aussi sur cette figurine-là? Je ne sais pas. Parce que la partie, la grosse partie est au bas. Elle est en bas, pareil. Donc, je ne sais pas s'ils se sont vraiment trompés. Bref, bref, bref. Le petit ressort. Qui va ici? Qui va ici? Hop. Ça. Le petit ressort qui va là. Clac, clac. On met les deux petites vis. Une et deux. Une et deux. Ouais, bien vu. Tac, tac, tac. Après. Est-ce le moteur? Ah bah non, ça va être dans le numéro 3. Bah ouais, mais faut pas regarder les vidéos des collègues. Alors, par contre. Ouais, si. Si, si, si. Bah ouais, mais t'as vu dans la figurine? C'est bien comme ça, hein? Regarde. La mâchoire d'un chien, c'est bien la mâchoire du bas qui bouge. Bah, pourtant j'ai reçu la même que vous, non? Je sais pas. Bah ouais, c'est la mâchoire du bas là qui bouge là. Je comprends plus rien. Est-ce que je me trompe quelque part? Ah bah ça se trouve au montage, ça va être comme ça. Allez, on découvre ça. Bon bah du coup, ça doit aller dans ce sens-là. Donc là, c'est bien la mâchoire du bas qui bouge. Par contre, la vache. La taille. Waouh! Regarde, regarde, regarde.
Le poids que ça fait, toi, sur la petite languette, là? J'espère que ça va être supporté par quelque chose, là, parce que... Là, si je lâche, je pense que ça pète. Waouh! Ah ouais, c'est vraiment lourd, ça. Allez, on passe à la suite. Donc, on a dit... Cette partie-là. Ici, comme ceci, comme cela. Les gencives inférieures. Oh! Gencives inférieures qui ne tiennent absolument pas. Attention, attention! Et hop! Ça ne tient pas. Bon, on va aller chercher de la colle. Bah ouais, parce que si elle perd son dentier, avant d'ouvrir la bouche, franchement, c'est la honte. Puis c'est un alien, quoi. C'est une mâchoire en béton. Ah ouais, non, là, regarde, regarde, regarde. Regarde le jour qu'il y a, toi. Wow. Ah ouais, là, c'est... Je vais attendre d'avoir le numéro 3. Peut-être que ça va se positionner mieux. Ou peut-être que ça va maintenir l'ensemble. On va voir. Mais je pense que vous l'avez tous collé, je crois. Il me semble, dans mes souvenirs, vous l'avez tous collé. Alors c'est vrai que quand je voyais les photos, je voyais ça super, super marron, super foncé. Alors qu'en réalité, bah, je m'aperçois que c'est pas si foncé que ça. Ok, c'est pas transparent, mais sur toutes les figurines que j'ai là, t'as vu, les mandibules ne sont pas transparentes. Franchement, c'est pas transparent. Hein. Ah, bah, je vais laisser comme ça. Hein. Ouais, non, non, je vais laisser comme ça. Hein. À la caméra, je sais pas si ça fait foncer, mais en réel, non, non. Je laisse comme ça. Bon, alors, petit problème. Soit j'enclenche correctement la partie basse, ok, mais dans ce cas-là, la partie haute est complètement décalée, ok. Soit j'emboîte la partie haute. Et c'est la partie basse qui est complètement décalée. Ah ouais, au niveau ajustement. Waouh! Waouh, waouh! Waouh, waouh! Va falloir coller tout ça et bien le maintenir. Parce que là, attention. Olé! Ça ne tient absolument pas. Vous avez remarqué, les gencives inférieures, ça ne tient absolument pas. Bon, il n'y a absolument rien qui tient. Yeah! Ah ouais! Où est-ce que c'est marqué le petit tube de colle? Où est-ce qu'il est marqué? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Voyons voir, peut-être que j'ai loupé. Aucun nettoyage. Non. Ils disent rien. Ok. Emboîtez-les en pressant légèrement. Ouais, en pressant légèrement. Donc, en pressant fortement. Voilà. Donc là, la partie supérieure, la partie inférieure est décalée. Et là, en pressant fortement, ça ne veut pas. Donc, je mets la partie inférieure. Hop. Hop, je presse légèrement, ça ne veut rien savoir. Je presse fortement et c'est la partie inférieure qui se décroche. Oh, sublime, sublime, sublime. Regarde ce petit écart, mais c'est tout léger, c'est tout léger. Alors là, j'entends crier au scandale. J'entends d'ici. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Je vous entends d'ici. C'est pas normal.
Ça vaut 1000 balles et c'est même pas ajusté correctement. Yes! Ah oui, là. Il va falloir ramollir tout ça, comme on dit. Allez, c'est parti. Un petit bain d'eau chaude. Et puis, on va tout coller. Alors, moi, ce qui me font rire, c'est que résultat du montage. Oh, que c'est joli! Résultat de mon montage. Attention. Ploc, ploc. Ah, le flop. Ah, bah ouais, hein. Eh, achète. Oh, eh. Non, non. Ça ne se fixe pas correctement. Rien ne tient. Je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Allez, on se retrouve pour le numéro 3.